Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thé Pudding and Camembert avec Damned, c'est Damned. Salut les gens. Et on se retrouvait du coup de nouveau pour une petite guerre des familles. Une bataille surtout qui promet encore d'être assez épique. Donc on va, là c'est le petit conflit frontalier des 2000 ottomans. C'est ça, et le fait que t'aies fait la paix avec Marianne a encore rendu en exil toutes mes troupes qui étaient sur les territoires espagnols. Oh la plaie, putain. Ah oui, moi aussi j'ai 45 000 hommes en exil là qui traînent. Voilà, très bien. Tout va bien. Oh là là, c'est donc c'est vraiment lui qui négociait l'accès quoi. Mais ça, on peut pas le savoir ça. Si, on peut peut-être le savoir en cliquant dessus, en regardant. Ouais. Bon, bah, écoute, trop tard de toute façon. Exactement. Bon bah j'enlève la pause. Tu peux. Voilà. Déjà tu le défonces, il est même pas encore arrivé quoi. Il vient même pas. Il est en déprime, il vient même pas quoi. Et ben voilà. Du coup on va sauter sur lui en haut parce que pourquoi pas. Ouais, faut y aller là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oh là 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 là, le mec qui commence les batailles, il est mis. Même avec 40 000 hommes, je le défonce limite quoi. C'est clair. Il fait demi-tour avec ses 224 000. Bon bah allez, on va se barrer hein. Finalement non. Attends, mais c'est quoi les. Je vais regarder un peu nos qualités des armées là. Non, ça ouais, c'est les armées nationales. Qualité des armées. Ah ouais, la vache. 9 de morale, il a 6,90. On a autant de discipline. 89 de professionnalistes contre 62. Oh là là, il y a 38% de tradition militaire. Ah ouais, ça calme. Hein. Ah bah tu ça m'étonnes. Ça calme. Bon, du coup, on va avancer un petit peu. Hein. Bah, du coup, ouais, hop, on va aller se poser sur ce fort là. Pas se priver, hein. Hop, bon bah, j'enlève la pause. Hein. C'est ça. Bon sinon, les rébellions ça se passe comment? On dessiège tranquillement, on a perdu une bataille. Ouh, what the... Pause. Il y a 146 000 ottomans en bas là. Ça y est. On va embarquer. Ta fille l'a fait même bien, bah, c'est bien. Là. Je peux débarquer donner l'accès militaire, mais oui. C'est pas un truc ça, ouais. Ouais, je peux amener des troupes, bon, je te laisse gérer en haut. Je vais lui amener ça devrait aller. Je vais amener des troupes sur le territoire. Je peux pas passer avec ces troupes là. Non. Donc on va débarquer là et on va le cerner. Pff, alors attends, vache. Juste un truc. À peine je coup... commence à débarquer, il fait demi-tour quoi. Il a senti l'arnaque. Bah oui, du coup, je peux plus passer par l'Espagne. Par contre, ça va être galère. Ah oui, et puis l'Espagne veut pas te le redonner du coup. Non. Donc bah va falloir. Bah laisse tes troupes là, au pire attends un peu, hein, il va peut-être redébloquer l'accès. On a suffisamment de troupes ouais, au nord. Ouais, mais pour gérer. J'ai aussi des bateaux, je vais demander le mouillage à ta fille ah, la oui. fait. Et c'est vrai que t'as des bateaux. Il m'accorde le mouillage et l'accès militaire, donc je vais faire des. On va faire ça, hein. D'ailleurs, sa flotte elle est où? Elle est là. Alors, je regarde quand même ce qui se passe au nord. Moi, je regarde ce qui se passe là, parce que clairement, ici on débarque, ok, il recule, on avance. Oh la vache, il fuit devant mes 45 000 hommes quoi, alors qu'il était 150 000. Il m'a quand même fait mal, hein. Ça enferme. Tac, 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 tac. Infiltration à Magdebourg. Très très bien, parfait. Pourquoi pas. Je suis joie. J'ai cru voir qu'il y avait des rebelles quelque part. Indépendance de Bahamani. Ah oui, indépendance de Bahamani, c'est vrai qu'il y a des gens ici aussi. Oh bordel, putain, ils sont partout. Toi le bateau, viens là. Faut qu'on aille gérer ça à la main.
Hop, 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 hop. Il y a assaut. Visiblement, oui. Alors après, il a pas lock, mais je pense que... Il y a du monde, là. Il y a un petit peu de monde. Il a même 53 miums qui font demi-tour. On tente. On fonce. De toute façon, au pire, avec mes troupes qui sont... S'il s'arrête, j'ai mes trois troupes qui sont à gauche de lui, là, qui vont lui tomber dessus à Kayseri. Et puis, voilà. Si bon, c'est pas là, ce sera là-bas, quoi. Ouais. C'est ça. Vas-y, c'est parti. Qu'il a rollback. Oui. Allez, on descend. Hommes. Ça va être la violence. Il y en a encore plus qui arrivent. La flotte des Indes qui se pointe sur ces entrefaits. On est quand même plus nombreux qu'eux. Hein. Ouais. Et on fait mais mal. Là, hein. Ils résistent quand même. Hein. On sent que. Oui, ils résistent, mais. C'est moins facile que d'habitude. Le moins de terrain, ils jouent. Puis il a un très bon commandant aussi. On a une ligne de front tellement. Ouais, non, mais c'est abusé là, c'est. Et mine de rien, il a presque autant de canons que nous, petit con. Ouais. T'arrives même pas à l'imaginer la bataille tellement. Ah ouais, ouais, c'est... on est d'accord que c'est. T'imagines 63 000 canons mort, déjà, hein. où tu les mets quoi. Sérieusement. C'est pas faux, ouais, c'est vrai que c'est un peu abusé. Ouais. Bon, on fait des 2, hein, voilà, il fait des 9, ça reste, hein, y'a pas de miracle. Ouais, non, mais voilà, il perd 4000 hommes, on en perd 32, quoi. J'ai même des armées qui ont pas souffert du tout. Bon, je vais sortir ces bateaux avec cette armée là, ce sera fait. Et puis, bah, non, du coup, je vais me replier un peu au nord. Foncer au sud sur ces 37 000 hommes là qui se baladent, histoire de leur mettre une gifle. Ici. Comment ça se passe? Non, toi tu reviens là, putain. Bah, même ici. Hop. On va se préparer. Alors là, on va prendre un point de stab. Parce que ça coûte pas cher et que ça va peut-être aider un peu à ce que les gens se calment. Ah oui, fallait que je lui demande le mouillage. Voilà, c'est fait. Indépendance de Gelre. Ah merde, il y a un soulèvement à Gelre, vous êtes sérieux? Oh putain, les relous. Les relous. On a quand même perdu 48 000 hommes hein, dans cette bataille. Bon, c'est beaucoup moins que lui, mais ça joue. Bah, quand tu veux, hein. Ouais, pardon. Je préfère rappeler, des fois, je sais que t'oublies que c'est toi qui as mis pause tellement tu mets jamais pause. Ouais, c'est très rare, c'est vrai. Bon, eux, on va les défoncer. La pop-up demandons la paix, merci, au revoir, plus tard. Allez, on débarque, on se pointe, qu'est-ce qu'ils sont lents. Alors, mes diplomates qui font rien. Je vais tomber sur ces 70 000 hommes là. Tu me dis si t'as besoin que je fasse des mouvements de renfort, hein. Je suis aux Indes là. Ouais, ouais, je te dirais. Non, j'ai pris une gifle au début de la bataille, mais ça s'est. C'est bien équilibré. Allez, ici on va faire sortir ces bateaux et on va le défoncer, ce sera fait. Il y a encore beaucoup de bateaux là dans la mer Noire là, il va falloir que j'aille m'en occuper aussi. Ils sont coincés puisqu'ils peuvent plus sortir vu que je bloque le détroit depuis des plombes. Ça y est. Comptez-vous. Je commence à avoir plus de galères que lui petit à petit. Hein. Ok, il se replie. On va aller s'occuper du coup de ces bateaux là. Ici, qu'est-ce que ça dit? Ah, ici, il y a 35 000 hommes. Ouais, il a fait tout le tour là. Ok, donc l'objectif, ça va être de. Oh, je peux pas recruter dans les territoires ennemis, c'est vrai, putain, quelle plaie.
C'est pas grave, on va y aller à la main. L'objectif c'est de s'occuper de ces territoires là de derrière de toute façon. Et là on va avancer de front. Ouh, il y a encore 211 000 hommes là. On va peut-être pas avancer de front en fait, on va rester dans le coin. Ah oui, il est en force il est en force, ouais. Par là. Ce que j'ai cru voir, ouais. Est-ce qu'on a un accès jusqu'ici? On peut passer par Kilwa, on peut passer jusque là, donc oui, on pourrait éventuellement envoyer des gens chercher des troupes. Bon, par contre, il va falloir que je remonte une armée, m'occuper de Geldr, ça me fait un peu chier. Je vais recruter une armée. Chier, hein. Hop. Il y a ces 205 bateaux qui sont tombés sur mes 82, mais je crois que je suis en train de les défoncer. Merde, ils sont où? Ah, mais je suis en train de les défoncer. Il en ramène 30 et je suis encore en train de les défoncer. Hein. Hop là, vaisseau amiral coulé. Je sais pas combien il en a, mais. Là, ils sont là, c'est 155 bateaux. On va les défoncer un petit peu aussi, pour le plaisir. Je vais m'occuper de la Crimée du coup. Hein. J'ai envie de te dire paix donc. Il essaie de s'enfuir avec un bateau. Le pleutre. Voilà, on l'a coulé. Enfin, pas le un bateau. Nos fortifications sont négligées. Separatis Sakalavas. Mmh. Ok, ici ça le fait. Hop, hop, hop. Ouh, c'est quoi ça? 272 000 Ottomans. Mais que dis donc. Ah oui. Ah oui, d'accord, ils sont là. Nous on est à 99 000, c'est pas beaucoup. Bah l'avantage c'est qu'on sait où ils sont. Et on est un peu isolé du coup. Ouais, bon, il faut que vous vous repliez. Repliez là-bas, vous allez vous refaire. On va gérer avec ce qu'on a ici. Est-ce qu'on peut gagner une bataille? C'est possible, hein. Franchement, c'est possible. C'est pas impossible, disons. Attends, laisse la pause, en attendant, si ça t'embête pas, je vais refaire un truc. Alors... Sauf que... comment je fais déjà? Diviser l'armée. On va tenter, on va se regrouper. C'est quoi ce point rouge? Une flotte ottomane, vous êtes sérieux? Et diviser. J'ai fusionné mes armées par erreur. Donc, pour ce temps-là, je vais m'occuper des chartes, ça fait longtemps, puis je vais récupérer du territoire. Alors, par contre, je vais avoir des. Ils sont des missionnaires qui vont plus avancer. Voilà. Hop, toi tu reviens. Toi tu reviens. Ici, non. Ici non plus. Ici non, ici non. Ok, on est bien. Si, il doit y avoir le Bénin aussi, ouais. Pas moyen de traverser ici, fais chier. Toi tu me laisserais pas... Non, tu me détestes, tu vas jamais me laisser l'accès. Tu me dis quand c'est bon, hein. Ouais, ouais, attends, excuse-moi, c'est un peu le bordel. Toi, va faire sortir les bateaux, toi. Allez, on voit, hein, l'armée que j'ai cassée en plein de petits bouts pour faire les sièges. Il les chasse petit morceau par petit morceau. Yep, ça va être bon pour moi. Je vais juste prendre un autre commandant de plus, parce que bon, bah, de toute façon, quand j'en suis 7 ou 8 commandants, on n'est pas ça près.
Sa flotte de 450 000 bateaux est réduite à 160 quand même, hein, et c'est bien fait laminer la tronche. Que du plaisir. Et d'ailleurs, tiens, j'irais bien effectivement gratuitement lui. Là, je vais aller lui siéger une île pour le fun. Tu veux faire sortir son sa flotte? Exactement. Eh bien, écoute, si c'est bon pour toi. C'est bon, tu peux y aller. Hop là. Alors, ici, on va surveiller ce qu'il fait. Je vais la réparer un peu, ma flotte aussi, quand même. Alors, il va descendre pour s'occuper de moi. Donc on va lui sauter dessus. On a perdu un siège. Quoi ? Ah mais si, c'est de l'autre côté, pardon, c'est là. Oh putain, il y a encore 40 000 hommes qui arrivent. Ça va être tendu du string là. Par contre, du coup, dans son territoire, c'est gruyère. Hein. C'est, il y a plus personne. Hein. La baffe. Ah putain les pop-up, pas maintenant. Ouais. Putain de trêve de merde. Les pop-up. J'étais en train d'envoyer les renforts. Pourquoi y a pas de combat là, combat là? Ah oui, parce qu'ils ont pas encore considéré comme étant gagnés. Ouais, voilà. Va falloir tenir les gars. Tant vous dire que ça va être la violence. Ouais, là, 230 000 hommes, il y a moyen que ça fasse un peu mal. Putain, on a 99% de victoire quand même. Putain, y'a pas tant que ça, hein. Oh, allez, renfort, bougez-vous. On a 22 000 renforts, ils en ont 50 000. Y en a encore 36 000 au-dessus qui arrivent. Hein. Aïe, ça va piquer. Ouais, bah ça se joue pas grand-chose, hein. Ouais, dommage. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que t'es un peu isolé là-bas, c'est dommage. Ouais, là, il a amené du monde. Bon, c'est pas grave, on va se replier là-bas. Hop, voilà. Bon, ça va, on n'est pas revenu, hein, du coup. Hein. Il va falloir du monde. Ah putain, il y en a qui se replient dans le fin fond du Darfour, là. Eux, ils vont galérer. Forcément, hein, il attaque par là où on est faible, hein, il est pas con. C'est pas grave. Ah, pourquoi on est trop nombreux là? On est beaucoup trop nombreux, ils sont foutés les gars. Ça c'est quoi? 7 bateaux ottomans qui se baladent, c'est des navires lourds, ils font rien. Là par contre, il va falloir que vous traciez une fois que vous serez là. Il veut une paix. Oui bah... Pas tant que nous n'aurons pas pris tout son territoire. Allez, marche forcée. Putain, marche forcée, j'ai dit. Pour plier. Vite. Ça va être tendu. Il va essayer de m'attraper, je pense. Ça passe, on dirait. Mettre un mec qui a de la manœuvre histoire d'accélérer un peu. Ah, notre héritier est stérile. Notre inquisiteur est mort. Eh ben, quelle émotion. Tiens, toi viens. Agitation de pi moins 2, ça fera le taf. Ah, ok, on peut enlever ça. Vous pouvez vous arrêter là, puis commencer à refaire vos troupes, peut-être. Le siège d'Alani est tombé. Ah, il commence à y avoir des paysans qui se soulèvent dans le dos. Ici,
Ici. Non, c'est pas ici, c'est là. Voilà, merde, on est en train de prendre un max de... d'attrition. Voilà, 135 bateaux que je suis en train de défoncer avec les miens. Encore. Voilà, tranquille. Populace de Terra Papillote, mais qu'est-ce que vous m'emmerdez avec la populace de Terra Papillote, sérieusement? Et ici, repoussez-vous là, la puissance de la Compagnie Britannique d'Indonésie. Bah bien sûr, c'est évident. Allez, ici, on défonce ces gens qui m'emmerdent depuis un petit peu trop longtemps. Alors, sa flotte s'est repliée là. On va leur faire sortir de nouveau. Commence à arriver, hein, du coup, là, par le... l'Egypte. Hop, vous vous repliez là-bas. On va compléter votre régiment. Les révolutionnaires Kilwan, ils sont en train de défoncer Kilwan. Hop 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 hop, mon mec est mort. C'est pas grave, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Non bah tout va bien. Visiblement c'est pas grave. Oh, il y a des gens sur une populace ottomane qui s'est soulevée sur Constantinople. Bah il y en a plein hein, des populaces hein, à droite à gauche. On va aller s'en occuper. Constantinople est à nous. J'avais trois armées ici. Ah oui, c'est aussi me semblait. Putain, mais ils veulent pas couler ces bateaux, hein. Demi-tour, défoncez-les. Mes armées qui vont pas tarder de se rejoindre au nord de son territoire. Pour l'instant, je le vois plus. Même mes bateaux, je les posais là au cas où, voir un peu d'éclairage, voir s'ils avancent. Pas passer hein, non je peux toujours pas passer. J'en ai marre des pop-up. S'il vous plaît, taisez-vous. Laissez-moi en paix. Exactement. On a perdu un siège. Ah oui, là, c'est pas hyper grave, on va s'en occuper. Hop, ici on va directement aller assiéger là parce que c'est là qu'ils vont aller. Ah quoi qu'ils vont peut-être aller là. Allez les pécores. Mine de rien, nos réserves diminuent doucement. Il en est où? Ouais, ouais, moi aussi. Ah, après, il a réussi à en refaire des réserves. Hein. Ouais, enfin après si on se met à claquer du professionnalisme, on peut monter très vite. Hein. Ah oui, bah non, mais après on est d'accord, hein. Je pense qu'il a... Je vais pas dire qu'elles sont infinies, mais pas loin. Hein. Alors, coup de conversion... Non, on s'en fout, marchand, on s'en fout. On va prendre ça. On s'en fout... Soutien militaire, soutien diplomatique, soutien admin... Soutien diplomatique... Voilà, parfait. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu vas filer un coup de main à tes potes. Orichev, un accès militaire. Ça y est, commence à couler cette foutue flotte. Pas encore, hein. Il reste encore 86 bateaux, mais je vais la finir. Ici, ça donne quoi?
On pourrait débarquer de l'autre côté, hein. Tant qu'à faire. Est-ce que c'est bien utile? Je ne sais pas. Allez, j'ai fait le lien avec mes troupes. Je vais commencer à remonter. Allez, va t'occuper d'eux, toi. Un commandant nous a quittés. Ah. C'est terrible. C'était qui? Ah, c'était un de nos trois étoiles. Pas de chance. Un de ceux qui étaient là. Ouais, c'est lui. Voilà, un autre 3 étoiles, c'est parti. Oula, qu'est-ce que tu fous? Ne fais pas ça. Ici, ça y est, on va pouvoir se regrouper et commencer à recruter, enfin. Ok. Alors là, est-ce qu'on va réussir à éliminer sa foutue flotte? Pas encore, hein. Purée, mais où est-ce qu'il va se réfugier, ce con? Il n'y a plus rien. Je suis en train de prendre toutes les îles, là, pour être certain qu'il n'y ait plus d'endroit après. Mais ça prend un peu de temps. Ah bah voilà, 102 bateaux à Rhodes. Justement, je vais faire le siège de Rhodes. Tu veux venir t'amuser? Ouais, je regarde où est son port, c'est là. Ok, bah ça tombe bien, les bateaux que je chassais dans la mer Noire se sont pillés par là aussi. Parfait. Voilà, là on assiège toutes les petites conneries, on est reparti. Ici, on est de nouveau 22 000, boum, recrute. Investissons, investissons. Toc, et toc, et là. Le territoire est vaste, mais son territoire est en train de se faire bouper. Ouais, il va tomber. Petit à petit. Hop là, Thaïs retombe. On est parti. Et on est dans les temps par rapport aux durées de la partie. Ça, c'est beau. Alors ici on recrute, ici on est bien. Est-ce qu'on peut viser le 100%? C'est la question. Est-ce que c'est possible? Tout dépend où est-ce qu'il va avoir encore des territoires. Il n'y a pas trop de colonies ou quoi que ce soit, donc... Bon, après il faut réussir à faire en sorte que derrière ça pète pas, que machin et tout, mais... Agitation ici. Ça donne quoi là, les bateaux? Où sont ces troupes? Ah d'accord, oui, il y a un petit siège à faire quand même. Où sont ces troupes, quoi? Bah c'est ça que je me pose comme question. Et ils a planqué quelque part dans le désert, c'est pas possible. Oui, mon autre flotte. Une autre flotte ici. Ah, elle est derrière, ok, elle est là. Elle bloque le détroit, parfait. De toute façon, on n'est pas loin d'avoir fini tout siéger, hein, donc au bout d'un moment. Bah ouais, c'est ça. Fais gaffe parce que du coup, s'il est sur la gauche, il doit avoir. J'y pense, ouais, j'y pense. 300 000 hommes quelque part là. J'y pense bien. La lassitude de guerre est élevée. Ah, ça y est, ça monte. Ah oui, demande la paix 0,36. Bah écoute, on a des points donc, claquons du point. Je vais descendre avec mes 45 000 hommes supplémentaires. Ah, je viens d'en trouver 22 000 là, en plein milieu du désert. Ah, le siège de Rhodes est tombé.
À mon avis, ils doivent être là, c'est pas possible. Il n'a plus aucun territoire maritime, sauf s'il faut faire tout le tour du monde. Ah, ça y est, il y en a 60. Ah, la Sicile s'est libérée dans notre dos, j'avais pas vu. Trop bien. Ah, 100 000 hommes par là. Ça y est, il a tout qui est là. Effectivement. Ah, mon mec est mort. Ah, sérieusement. Putain. Tu t'es fait stack wipe, quoi. Ah, merde. Ah merde! Bon, bah d'abord. C'est pas grave, on y va. Vas-y, à 45 000 hommes, j'ai failli réussir à les battre. On est deux fois moins nombreux, ça se tente. Mais c'est bon, ils ont fini de crever en boucle, mes dirigeants, ou... Ouais, ça y est, c'est bon, 22 ans? Ok, t'as 22 ans, toi, donc ça va aller, hein. De Dieu. On va reprendre en stab, quand même. Voilà. Bah, du coup, vu que j'ai quasiment fini de siéger tout ce qui est là, on va rebalancer les troupes de l'autre côté, là. Tranquillement. Ouais, bah c'est sûr qu'il était là. En même temps, c'est le bout de terrain de territoire qui lui reste. Ouais, c'est ça, ouais. Ici, on va finir les sièges qui sont là. Donc, on doit avoir la bataille navale, normalement. Ouais, ouais, ça y est, ouais. Oh, ouais, normalement. 715 vaisseaux. Ouais, 715 vaisseaux, ouais. Oh, j'ai 209 navires lourds et 209 galères. Oh, putain, la violence. Aïe, 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 quoi. Bon, je viens t'aider, mais j'y crois pas. Bah, au début, il a pris la gifle, hein, mais comme d'hab, mais bon, ça va se... Ouais, voilà. Ouais, j'ai arrivé trop tard, en plus. Oh, ouais, non. Plutôt non, quand même. Ouais, ouais, bon, peut-être non. Mais, bon. Mais quand même, hein, j'aurais fait quelques neufs. Y ouais, moyen. C'est dommage que... Ouais. Ah bah, c'est comme ça, hein. Bon, bah du coup, on va se placer dans son dos. Normalement, tu peux traverser le détroit au pire, hein. T'es pas obligé de repasser par en haut, hein. Ah bon ? Normalement, ouais. Ah, moi, quand je programme les déplacements, les mecs passent par en haut. Ah oui. Ok. Ah bah tiens, bah y a des particularismes, des révolutionnaires. Ah, sauf qui par sont le sauvés. Bas, sinon je peux passer par le bas par Maréon. Oui, c'est ça, ouais, par Maréon, ouais, je crois ce que je pensais. Mais il a l'air de me dire que c'est trop long. Bon, cela dit, il est en train de remonter, là. Ah putain, je vais me réfugier là où il y a les révolutionnaires ottomans. Non, mais non, sois pas con. Ah, le con. Ah putain. Aide-moi, rejoins-moi au Caire. Ah, je vais me faire défoncer. Non. J'arrive. Remarque, on résiste, hein. Mais de toute façon, ouais, il a vu qu'il nous... Il nous avait repoussé, il est en train de remonter. Hein. Bon, ça flotte. Qu'est-ce qui est fou ? Ouais, bah cela dit, il peut remonter, mais derrière. Ah ! Oh là là, mon héritier, qu'est-ce qu'il est mauvais ! Oh, il me reste 5000 hommes, quoi. Putain, ça pique. Ici, on va mettre un commandant. Hop. Hop. Bon, qu'est-ce qu'il a foutu de ces bateaux ? Ah, ils sont en train de faire tout le tour, forcément. Voilà. J'avoue que le coup de la Sicile indépendante, c'est plutôt drôle. Allez, la flotte, on rentre. Celle-là, elle a fait son taf. Les autres s'occuperont du reste. Bon, bah allez, on fonce au sud. Ah, il était en train de remonter en se disant « Ça y est, je suis en sécurité et tout », et là, du coup, il a changé d'avis d'un coup. Exactement. Bah du coup, vu qu'on sait qu'il est pas là... Populace louisiano-britannique. Ah bah si, ça y est, il est là avec 109 000 hommes. Normalement, je vais arriver à lui tomber dessus. Ouais, j'ai 14 000 hommes dans le coin, je suis pas sûr que ça oula, joue. Par contre, j'ai pris la gifle, mais c'est le temps que les autres arrivent. Allez les gars, allez, oui, voilà. Encore, il y en a encore plus. Voilà. C'est bon, ah oui, bah c'est replié, ouais. Faut pas lâcher, faut foncer, je sais pas jusqu'où il se replie, mais on lâche pas, on les poursuit à la vie, à la mort, parce qu'il n'y a pas de fort de toute façon par ici. Allez, on arrive par en bas. Ici, il me faut un commandant compétent. Ah, genre pas toi, voilà, toi du coup. En avant. Et au moment, on arrivera à les rattraper, c'est pas sûr. Ah si, ça y est, là. Là, on va en choper une partie.
Attention, il y en a qui remontent aussi, du coup. Ah, ils sont 48 000, petit con. Je vais les bloquer en me mettant dans le désert, là. Ouais, et je remonte. C'est pas toi qui es en déroute. J'ai perdu ? T'as dû cliquer, ah, à mon avis, avant la fin de la bataille, je pense. Ouais, merde. Il va me sauter dessus, ce petit con. On se replie, vite fait. Mais attends, mais si mes mecs... Attends, parce que là je suis en retraite confuse, hop. Mais je me... Bah ouais, non, mais ouais, bah ouais. Putain. Ah. Pause. Marche forcée, les gens. Ouais, là, ouais, pareil. J'arriverai jamais à temps. Non, mais moi c'est pareil. Ouais, là, il y a eu un gros fail de clic. Ouais, il y a tellement de trucs, c'est tellement chiant à gérer, ah, ce ouais, bordel, là. Vache, ça, c'est un fail de clic, c'est le mot, ouais. Putain. Oh là, et puis derrière il y a tellement de monde, on va jamais arriver, quoi. Oh, l'échec. Ouais. Tellement l'échec. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots là. Si tu fais stack web 280 000 hommes, ça va être la violence. Hein. Oh, je putain. Pense, ouais. Bon, ça va, tu résistes. Entre le professionnalisme et tout, le moral tient, mais il y a 150 000 qui arrivent derrière, et moi j'ai 22 000 hommes de renfort à comparer, quoi. Oh putain. T'es 71 000 en bas, tu les enverrais pas en urgence, non? Bah si, c'est ce qu'ils sont en train de... Non, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Non, bah moi je vais être ralenti, là. Je vais être ralenti par les 76 000, là, qui arrivent. Ouais, bah moi pareil. Attends, eux, là. Bah on va les défoncer, les 76 000, ce sera toujours ça qui viendra pas en renfort, hein, mais... Y'a moyen qu'on gagne, hein. Ouais, ouais, la bataille dure. La bataille dure et on a du renfort qui arrive en haut. Ah, c'est maintenant moi qui dirige la bataille, ça y est. Il y avait une petite claque là avec l'arrivée des troupes. Allez les gars, allez putain, allez. Il y a 80 000 hommes qui arrivent en renfort là, faut tenir. Putain, ils sont 300 000 en face. Ah, c'est bon signe, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Allez les gars. Cette bataille finale. Oh là là. Ah, il perd 12 000 hommes par jet, quoi. Ouais, ah ouais, ça y est. Eh ben, c'est bon. C'était tendu. C'était tendu du string. Oh la bien vache. Joué. Bien joué, bien joué. Bon bah, il a plus de bateau, je crois que ça y est, officiellement, c'est fini. Je vais vérifier, mais je peux voir sa flotte. Pas qualité des flottes. Flotte nationale. Ah si, il lui reste encore 92 bateaux cachés quelque part, hein. Il doit être en train de faire le tour du monde, je sais pas où. J'ai cru voir du rouge, là. Bon bah tant pis, hein, s'il veut s'amuser à tourner en rond avec ses flottes, ça le regarde. Bon. Bah finalement, voilà. Ça nous aura pris que 10 ans. Bah écoute. Faut croire, hein. Bon bah du coup cet épisode est encore un petit peu long, donc on va s'arrêter là. Tout à fait. Ah oui, ils sont là ces bateaux, ils sont en train de se replier en fait, ils ont même pas encore fini de se replier. Bah on va les accueillir. Bah, j'espère ouais, du coup que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous laisser un petit message, et puis bah on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.